Bonjour et bienvenue dans la bonne adresse. Cette semaine, je vous propose deux bonnes adresses en une, le Sweet Bazaar et le Musée de l'Illusion. Et pour nous aider à découvrir ces deux endroits, Stephen Carnell, qui est le créateur de ces lieux. Commençons par une immersion au Musée de l'Illusion. Une fois que vous aurez ouvert la porte de cet endroit, vos yeux et votre cerveau vont vous jouer des tours et vous perdrez tous vos repères. Pourtant, c'est bien au 98 rue Saint-Denis que nous nous trouvons, au cœur du premier arrondissement de Paris. Nous sommes au Musée de l'Illusion et on est dans une salle assez sympa, qui est la Poker Room, la salle de poker. En fait, c'est un jeu de miroir. Au Musée de l'Illusion, vous avez plein de jeux de miroirs, notamment cette pièce, où en fait, par l'emplacement des miroirs, une seule personne, vous avez l'image multipliée par 5. Donc en fait, c'est une personne qui est censée jouer aux cartes, comme vous me voyez moi, de dos, et là, de face, et qui joue avec lui-même x 5. Sur deux étages de musée, vous allez apprendre en vous amusant et en vous étonnant, comme devant ce tableau dont vous ne saurez plus s'il est plat ou en relief. Pour chacune des 70 attractions, une explication scientifique accessible à tous et des consignes permettent de vivre l'expérience de la façon la plus efficace possible. Ce qui est intéressant au Musée de l'Illusion, c'est que à partir de choses simples, d'accord, on tombe dans les illusions. C'est-à-dire qu'à la fois visuellement et à la fois sensoriellement, on se rend compte que ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité, ou en tout cas la réalité n'est pas forcément nous percevons. C'est-à-dire que tu vas voir des choses qui, en réalité, vont être interprétées par ton cerveau différemment, et en tout cas ton cerveau va être un petit peu perturbé par ça, et c'est ça l'illusion. Le but étant de comprendre comment ça fonctionne. Jeu de miroir, de perspective, jeu de lumière, à chaque coin de cette balade et à chaque âge, on trouvera de quoi faire chavirer ses sens. Alors tu trouveras des tableaux, d'accord, dans lesquels justement on cherche une illusion et on ne comprend pas pourquoi la forme géométrique est ainsi, elle est perçue différemment selon les gens. Voilà. Il y a aussi des pièces où le visiteur est intégré dans l'illusion. D'accord, et ça fait une attraction très intéressante. Et ce qui est aussi très, très, très agréable, c'est qu'on se prend au jeu de l'illusion et on se prend en photo. D'accord, et la personne est intégrée à l'illusion. Elle rapporte vraiment énormément de souvenirs du Musée de l'Illusion. Et ce qui est sympa, c'est de partager ces souvenirs ensemble. Des objets les plus simples aux attractions les plus spectaculaires, de quoi régaler sa communauté Instagram sans filtre et sans trucage, mais avec un effet garanti, comme avec ce jeu d'anamorphose. Alors nous sommes sur l'illusion qui s'appelle la chaise bucket. Qu'est-ce que c'est que la chaise bucket? C'est des éléments pris de manière indépendante qui n'ont aucune cohérence. Donc là vous avez des pieds, vous avez des dossiers qui sont mis aléatoirement. Or, en réalité, ils sont positionnés d'une telle façon que, à un endroit précis, en l'espèce la caméra, l'illusion prend son sens et un objet apparaît. Ici, la chaise. Sauf que vous avez la personne qui est assise sur la chaise qui a une taille extrêmement petite par rapport à la réalité. Ce principe-là, c'est l'anamorphose. C'est ça qui est très sympa dans l'illusion. Partout, dans les allées du musée ou sur les murs, on tourne autour des tableaux, on se sent aspiré par un jeu de spirale ou suivi du regard par une Joconde avec des lunettes pop. Et une fois que votre cerveau et vos yeux ont joué aux montagnes russes, un petit tour juste en face, au Sweet Bazaar, pour jouer cette fois avec vos papilles. Ici, tout est naturel et vous trouverez de quoi vous remettre de vos émotions grâce à un latte ou à un délicieux cookie customisé sur mesure et même en participant à un atelier avec des pâtissiers diplômés. Une fois de plus, ici comme en face, les fans d'Instagram n'ont qu'à bien se tenir. Le Musée de l'Illusion, c'est au 98 rue Saint-Denis, dans le premier arrondissement de Paris.